Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landon pour le 14e et dernier épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade de Warband saison 3. Et oui, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, what the fuck? Attendez, il s'est passé des gros trucs qui vont pas là. Merde. Alors attendez, parce que dans le dernier épisode j'avais dit, comme la guerre était finie, j'avais dit qu'on mettait en pause le jeu, enfin je mettais en pause la capture histoire de retrouver une nouvelle guerre face à une autre faction. Royaume des Rodogs qui était en trêve avec le Royaume des Nords. Donc comment ça se fait qu'ils nous ont chopé encore des villes? Ah mais oui, c'est parce que... D'accord, j'ai compris. Donc là, je vous ai dit que j'attendais un peu, donc on est en guerre contre le Kharg'ith Khanat. Voilà, donc il va falloir attaquer le Kharg'ith Khanat. Mais aussi, il y a eu énormément de désertions dans tous les sens. De chez nous. Du coup, c'est normal qu'on ait perdu énormément de villes, comme des cons. C'est parce que les seigneurs ont dû changer de bord. Ce qui est pas cool. Ce qui est vraiment pas cool. Bon. C'est pas tout ça, mais il va falloir vraiment qu'on s'attaque au royaume du Kharg'ith Khanat. Du coup, on va y aller. On va commencer par voir un petit peu ce que c'est que le château, enfin, les châteaux différents, là. Comment ils sont. Ça m'embête vraiment qu'il nous ait récupéré encore plein de trucs comme ça, c'est une horreur. Oh, petit château. Il a moins d'unités que nous. Je sens qu'on peut y aller tranquillou. Allez, on y va. Plus c'est des échelles. Ça va aller vite. Hop. Ah zut, j'ai pas lancé mon chrono. Je sais pas où est ma montre. Attendez. Voilà, ça y est, j'ai lancé mon chrono, ça devrait aller. On va pouvoir y aller. Donc on prend son boubou, pour éviter de se prendre des flèches perdues. Donc on a un léger désavantage tactique. C'est pas beaucoup. On va y aller quand même. Aïe, comme d'hab. C'est tous nos héros qui se font défoncer, comme d'hab. Alors, va falloir me laisser passer pour que je puisse faire quelque chose. Oh là là. C'est toujours la merde. Toujours. Genre, il pourrait pas installer une deuxième échelle quelque part, histoire qu'on puisse avancer. Si ça se trouve, il y en a une, mais j'ai pas envie de faire le tour du château bêtement. En fait, tout ce qu'il faut... tout ce qu'il faut. Oui. Si, tout ce qu'il faut, c'est qu'ils ouvrent un peu la voie, hein, tout simplement. Qu'ils puissent avancer sur les remparts. Voilà, comme ça. Les sergents Rodok qui font le café. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Vérifier. Nouveaux ennemis qui sont arrivés. Ok, là il n'y a pas de tireur. Ok, c'est bon. C'est là-bas qu'ils attaquent. Oula, hein? J'ai vu passer une flèche. C'est pas dans mon sens. Bon, c'est pas grave. Ok, je suis pas dans la mêlée, il faut que j'y retourne quand même. Il faut que j'y retourne. Hop. C'est bien lourd. On les défonce bien. Oula.
Ils sont costauds ceux-là, je vois qu'ils ont des armures... Oula! Alors là, je vais avoir un problème. Voilà, je me casse. Oula, oula. Bon, ok. Il va nous falloir des renforts à un moment, là, parce que... Les Kargit, là, ils sont en train de nous mettre un peu la pâtée. Ils sont en train de monter, je sais pas trop pourquoi. 67-30, bon, on arrive à la fin. Oula, oula, ils sont en train de faire un massacre. Il reste 2 là-haut. 2-3. Ah, puis il y a les renforts qui sont arrivés. Ok, bah c'est nickel. Il en manquait un ou deux là. Ils sont où? J'arrive pas à voir où sont les tirailleurs. Ah d'accord. Il y en a qui est bloqué là-dedans dans le trou. Ah mais il y en a plusieurs. Voilà. C'est un peu tout bugué. Voilà, ça y est. Bon. Alors, c'est gentiment la win. On va capturer des ennemis. Upgrader les nôtres. Voilà. Ok. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux recruter? Voilà, des maîtres archers. On est bien. On est bien. Bon, ils ont pas de nourriture, comme d'hab, hein, de toute façon. Par contre, ils doivent avoir des sacrés canassons, mais j'ai pas le niveau. Hop, on ne manque pas de récompense. Et du coup, il y a encore notre nouvelle promotion. Et je pense qu'on va pouvoir s'attaquer directement à une autre cité. Gentiment. Enfin, une autre cité, un autre château. Ça va aller assez vite. Parce que vu comment on les pourrit, 166, c'est déjà un peu plus. Ça fait déjà un peu plus de monde. Ah, ça m'énerve vraiment de devoir après retourner à occuper tous les autres châteaux. Ça va être un enfer pour la prochaine saison. Parce que oui, évidemment, je le rappelle encore une fois, j'arrête cette saison 3 pour éviter qu'elle fasse 50 milliards d'épisodes. C'est juste pour ça. Bon, alors. On va assiéger le château. Une tour de siège. Oh, ça va être long, ça va être long. Ça va être très long. On va attendre un peu. D'accord. Bon, elle se barre. Les titres, de toute façon, elle servait à rien, je crois. Elle faisait tout le temps défoncer. Ok, ok, bon. Merde. What the fuck? 121 contre 18? Ils sont un peu ratés, là, ceux d'en face. Je comprends pas. Pourquoi ils sont venus nous chercher des noises alors qu'on était plus que supérieur en nombre? What the fuck, 121 contre 18? On les a... Enfin, on va les rect, mais... C'est stupide de leur part. Ah là là. Genre, j'ai pris pas mal de dégâts en fait.
Comment ça, je l'ai pas touché? J'ai un peu de mal. Allez, il en reste un. Il en reste un? Voilà, c'est bon. Ok. C'est gentiment la win. On peut plus capturer d'ennemis, c'est pas grave. Oula! Qu'est-ce qu'on fait? YOLO! Ah, 6 contre 63. Ah, j'ai fait peut-être le con, là. Oh merde! Oh non! Merde! Oula, mon cheval a subi 77 points de dégâts, je me suis pris une lance couchée. Ouch! Ouch! On se casse. Oh merde. Oh la loose. Ok, bon. Et bah ça, c'était pas cool. Bon, voilà. Il va falloir refaire le plein d'unités, tout ça. Ça va être génial. Ah, attendez, inventaire, c'est bon. Taverne, est-ce qu'on a gardé les gens à rançonner? Pas sûr. Ah si. Oh là 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 là. Comment se faire... Attendez. C'est bien, il y avait quelqu'un. Comment se faire rect connement? Récupérer des gens. Il faut refaire le... provision d'unité. C'est parti. On va recruter des gens. On va faire le tour des grandes villes. Enfin, des petites villes, pardon. Récupérer des unités Rodoc, tout ça. C'est important. Voilà. D'accord, il aime pas trop piller tout ça, mais il s'est un peu engagé avec moi. Il est quand même un peu stupide comme bonhomme. Hop. Nord contre Kargit Kanat. Ah bah ils vont se faire défoncer. Les deux plus gros qui ont déclaré la guerre au Kargit Kanat, ça va être drôle. Ah bah dis donc. C'est un peu n'importe quoi tout ça. Ah, je me sens un peu con parce que du coup j'avais une super armée que j'avais bien entraînée et tout. Et là, je suis en mode PLS sur la table. N'importe quoi. N'importe quoi. Je dois pouvoir augmenter des unités grâce à l'entraînement journalier. Je veux les sergents Rodoc. Je suis sûr que... Ouais, j'en ai plus 4. J'en avais 17. 17, bordel de merde. Voilà, je commence à recruter pas mal d'unités, mais... C'est un peu long. J'ai pas envie de recevoir le château de Riblet, parce que c'est un... C'est de la galère, les châteaux. Je les laisse tranquilles. Ah, c'est n'importe quoi.
va remonter à l'intérieur des terres. D'accord, eux ils me détestent. On se prête à être amélioré. Voilà. La ministre soignienne. Voilà, on commence à être un peu plus... un peu mieux. Un peu plus fort, un peu plus amélioré. C'est cool, c'est cool, c'est cool. J'ai regardé l'inventaire, ouais. Faut que je vérifie parce que la bouffe, une fois je me suis fait avoir et j'en avais plus. Et j'ai un sergent Rodoc qui s'est barré bêtement. Pas envie de refaire la même. Ok, donc là on est plutôt pas mal, on a commencé à revenir un petit peu à un compte décent. Ok, pas mal de sous, de toute façon au niveau fric on est complètement large. Je me demande comment je peux pour tenir autant de sous sur moi. Alors, compte Talbar, il est près de Maguise. Fiché sur la carte. Oh, mais il est pas loin. On va y aller. On va y aller, on va y aller. Attendez. Petit problème. Déjà, on continue d'améliorer les unités parce qu'évidemment, elles gagnent pas d'XP derrière tant qu'on les a pas améliorées. Enfin, je suis pas sûr, mais dans le doute, je préfère ne pas tenter le diable. La question, c'est où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Vaigir contre Kargit Kanat. Ah oui, mais le Kargit Kanat, il va se faire rouler dessus. Oula, ils sont tous dehors. 997? Ah bah il est là. Voilà, cette fois-ci c'est dans l'autre sens. 1068 contre 163, c'est dans l'autre sens et je préfère largement ça au 1062 contre les 120 Pékin de chez moi. Au départ je me suis dit que ça pouvait être jouable si je suis vraiment fort et que mes troupes aussi. Je me suis dit que ça pouvait le faire parce qu'on avait quand même une sacrée armée, surtout sur ce genre de terrain. Le problème c'est que à cause des tactiques trop élevées de leur côté. Et ben 42 contre 6, on se fait vite règle. Et surtout que c'est des unités assez fortes avec des lances. Et les lances, ça pardonne pas. Parce qu'une lance dans la figure, c'est douloureux. Et de toute façon, il n'y a que l'ordinateur qui arrive à gérer correctement les lances tout le temps. On les recte un peu. Voilà. Ils se font un peu péter la figure. Voilà. Aïe. Ok. Reviens là, toi. Voilà, on est bon. Ils vont où ? D'accord, il ne reste plus qu'un. Allez, c'est win. Bon, allez, aucune perte, voilà, c'est bon. Ils sont défoncés.
Alors, on va prendre des unités enfin, on va en capturer quelques-unes. Toc. Et puis, ils auront peut-être pas les capturer, c'est un peu débile. Comte Talbar. Coucou, c'est moi. Bon, on va suivre l'armée. Il est où? Voilà. On va le suivre. Ah bah c'est ballot, mais le royaume des Rodok et le Kharigan ont fait la paix. Pas cool. Parce que du coup, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire. En plus de ça, ils se sont baladés en mode YOLO, les différents... Merde, comment ça s'appelle? Voilà, les différents seigneurs. Ça arrête pas de se barrer du royaume des Rodok, c'est un enfer. Le royaume des Nords qui est en train de tout prendre. Et le même, le château qu'on avait récupéré. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais du coup, je sais pas trop quoi faire maintenant, parce qu'il y a plus de... On n'est plus en guerre. Hop, rapport. Relation de faction. Voilà, on n'est plus en guerre. On n'a plus rien. Et je sais pas trop quoi faire, étant donné que... Ben, y a rien d'autre à faire. Voilà, le groupe n'a rien à manger. Oups. Je vais toujours m'en occuper de ça. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, comme c'est un peu le temps mort, tout ça, je vous propose qu'on arrête ici l'épisode, et donc la saison. Nous reprendrons... Je vais y arriver. Nous reprendrons bien évidemment cette partie dans une saison 4, hein, on essayera de la finir. Ça m'étonnerait qu'on y arrive, étant donné qu'en fait on a perdu énormément de villes sur cette saison bêtement sur la fin. J'essaierai de voir quel est le moyen de récupérer correctement des villes sans qu'elles se barrent dans tous les sens, parce que c'est très chiant. Et j'espère qu'on y arrivera dans cette saison 4. En attendant, on se retrouve évidemment dans 4 jours pour un nouveau let's play, je sais pas encore sur quoi ça va être. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce let's play, de cette vidéo dans les commentaires, tout ça. N'hésitez pas à poser un pouce vert, comme vous voulez, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans 4 jours, comme je le disais, pour un nouveau let's play. Allez, salut à tous, portez-vous bien!